Bon, salut à tous, petite vidéo aujourd'hui, tout simplement, je suis en train de désherber mes céréales, parcelles plus ou moins sales, selon d'ailleurs les parcelles. Ici, c'est pas la plus sale, mais il y avait quelques mauvaises herbes assez gênantes pour la culture du triticale. Donc ici, j'y avais pas posé les pieds depuis que j'avais fait le roulage des céréales, donc ça s'est bien étoffé. Au niveau du stade, j'en ai dépecé un, on est à épi entre 0,5 et 1 cm. Donc c'est une culture qui maintenant, vu qu'ils annoncent la pluie à peu près un peu tous les jours la semaine prochaine et du temps plus doux, qui va galoper à grande vitesse. Donc je vais nettoyer tout ce qui est mauvaise herbe et ensuite je procéderai au deuxième apport d'engrais. Donc on voit que la parcelle est épais, ça marque plutôt pas mal. Bon, j'ai la chance aujourd'hui aussi qu'il ne fait pas de vent et qu'ils annoncent pas trop froid pour la nuit prochaine, donc pour bien pouvoir que le désherbant agisse comme il faut. Donc le pulvé est déplié, celui-là que vous avez vu dans la vidéo de dimanche, donc rampe de 12 mètres et ce que je vous parlais au niveau balancier, donc c'est là, hop, en fonction du tracteur, comment il se positionne, la rampe c'est bien en appui et s'équilibrer pour faire le meilleur boulot possible. Donc voilà pour ça, en plus ça tombe bien, les brebis ont quasiment pas agnolé, bon quelques-unes vers 5h du matin, mais là elles ont décidé de me foutre la paix une paire d'heures, histoire de puisse m'occuper du peu de céréales qu'il y a sur la ferme. Donc ça c'est du céréal triticale qui sera bien évidemment tout consommé, on fait pas de pain avec du triticale, ou alors ça serait peut-être une première. Donc voilà, allez, moi je vous dérange pas plus pour aujourd'hui, je vais finir tout ça, retourner à l'agnolage et attaquer d'autres travaux. Allez, ciao, bye bye.